On ne peut pas venir ici s'asseoir et parler de préserver l'Arctique sans prévoir de mettre fin immédiatement à l'exploitation des énergies fossiles. L'Arctique, c'est un écosystème unique au monde, avec des espaces marines menacés. L'Arctique, c'est un climatiseur de la planète et l'Arctique, c'est malheureusement aussi la cible d'entreprises avides de profit qui comptent, si nous les laissons faire, exploiter tant d'énergies fossiles que nous aurons consommé 22% de notre budget carbone. L'Europe doit être à la hauteur, car oui, l'Europe a une responsabilité dans la destruction en cours de l'Arctique et de la planète. Près de la moitié des entreprises qui convoitent aujourd'hui l'Arctique sont européennes, et parmi elles, évidemment, la française Total Energy, qui compte y accroître sa production de près de 30%. Derrière, évidemment, des banques européennes, mais aussi des soutiens publics, directs ou indirects des États, par exemple pour Arctic LNG 2. La marée noire en Californie nous le rappelle avec acuité. L'exploitation en mer et dans les pôles des énergies fossiles doit cesser tout de suite. Ça fait partie et ça doit être central dans la stratégie que l'Europe compte développer en Arctique. Merci.